Et je suis Douce attentif Marianne, et une ambiance rien ne précieuse tient. de gentillesse généralisée, de bienveillance et de convivialité. Je veux vraiment Tu saluer laisses faire le l'accueil chat, que tu laisses le j'ai chat eu hier tranquille. à l'égard des C'est riverains sa qui n'ont place. pas pu en journée sous terre Ah, pour d'accord? arriver à Laisse l'hôtel filer qui le est temps. sur la Elle va souterraine et venir qui, si elle comme elle veut. nous indique où il faut passer. On vit vraiment un moment extraordinaire à Paris, tellement l'état de grâce. J'ai une amie qui m'a raconté de hier soir à la pluie métro. On a l'impression d'être guidé partout. Voilà, des policiers qui parlent des langues, qui disent bonjour, mais c'est votre tradition évidemment, hein. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de convivialité aussi bien par les bénévoles, les policiers. Enfin voilà, ça fait un climat très serein. Et c'est vrai qu'on se sent bien dans Paris actuellement. Tout à fait, on a une sorte de communion nationale qu'on aimerait voir plus souvent, effectivement, comme lors des Jeux Olympiques. On a une communion nationale qui s'est faite entre les sportifs et nos talents générationnels, parce qu'il s'agit vraiment de ça. On a des talents générationnels dans quasiment à peu près tous les sports aujourd'hui Voilà. en France. Laisse-lui Et le temps. c'est vraiment super intéressant de Elle développer va des choses venir qui sont vers toi liées si elle veut. avec ces talents générationnels. Notamment, moi je pense aussi à tous ceux qui étaient au Club France cette semaine également, parce que c'est justement le moment pour eux de pouvoir communier avec le public. Les sportifs ont aussi besoin de ça pour pouvoir accomplir des prestations encore plus importantes. Et puis ça me fait penser un petit peu à tous ces visages qui émergent, ces sportifs qui émergent, qui deviennent des icônes un petit peu de la France, Simple, abordable. simple, abordable, et qui sont justement véritablement des icônes de notre pays et qu'il faut saluer grandement. Bravo tout d'abord, hein, évidemment.